a beaucoup entendu dire que pour suivre Jésus, il fallait renoncer à soi, s'oublier pour être à la hauteur. Et j'ai l'impression que c'est juste l'inverse. Suivre Jésus, c'est faire un choix, le choix de la vie, le choix de cultiver, d'apporter, de trouver tout ce qui peut aider à la vie pour nous et pour les autres. Cela implique effectivement de couper parfois avec des habitudes, avec des modes, avec ce qu'on pourrait trouver normal, évident, et qui ne l'est finalement pas tant que ça, ou avec nos solutions de facilité, des réflexes, tout ce qu'on fait juste pour ne pas trop y réfléchir. Suivre Jésus, c'est avoir le courage de dire oui à tout ce qui fait respirer, tout ce qui aide à vivre, et non à tout ce qui enferme, écrase, isole ou méprise. C'est évidemment pas facile tout ça. Mais en fait, ça n'est pas grave parce que Dieu, justement, fait en sorte de mettre bien plus souvent ses pas dans les nôtres et de s'adapter à notre marche plutôt que de nous demander à nous de nous adapter à son pas.